Kochi, c'est l'étoile brillante, pas seulement de Colésie, mais de l'Afrique centrale. En Afrique, ici en tout cas, on ne peut pas parler de deux écoles sans qu'on puisse passer par Mutoshi. La chute de la grande puissance économique du Katanga a entraîné avec elle la mort d'autres domaines, même l'éducation. Bienvenue à Mutoshi, un institut technique historique de la ville minière de Kolwezi. L'histoire renseigne que ce fut la pépinière de tous les techniciens de l'ancienne Gécamine avant sa descente aux enfers. Les grands techniciens que vous voyez ici, à la Gécamine, au Katanga, au Zaïro, et un peu partout là-bas, au Congo présentement, ce sont les grands PDG, les grands dirigeants des sociétés, viennent de l'école technique de Mutoshi. C'est une école qui a forgé, qui a produit les plus grands ingénieurs dans notre pays. À notre arrivée à Mutoshi, nous rencontrons une résistance. Toute la Gécamine s'invite à la fête. Pas question de prendre une seule image dans une école de l'entreprise aussi facilement. Les pourparlers commencent et enfin, nous pouvons travailler. Ngoï Mulambwe, dit le savant, est un éducateur surveillant à Mutoshi. C'est avec lui que l'on va commencer la visite. Il connaît son école. Moi, je connais Mutoshi. C'est fut d'abord une école normale. Depuis les années 55-58, une école normale, là où il y avait la pédagogie. Dans le coin qui est là-bas, c'est les bâtiments. Vous allez voir trois bâtiments qui sont là-bas. Ce sont les bâtiments qui ont servi d'une école normale. Et après, Les prêtres salésiens, j'entends parler, il y a Bataille Guido, il y a Père Moulongué, j'ai Paul, il y a Père Swinen, puis il y en a eu beaucoup. Bon, mais ces prêtres ont mis maintenant l'école technique, là où il y avait à son temps les cycles courts et les cycles longs. En cycle long, il y avait la section chimie, la section électronique et la section mécanique générale. Et en cycle court, il y avait la mine, la métallurgie et la mécanique d'entretien. Arrivé aux années où il y a eu les événements, les prêtres devaient partir. Je ne sais pas ce qui s'était passé avec la Gécamine. C'était des prêtres, des pères salésiens, qui dirigeaient cette école, mais chapeautés par la Gécamine. C'était des représentants de la Gécamine en soi. Il y a eu un problème, ça ne va pas entre la Gécamine et les prêtres. Ce qui a fait que les prêtres n'ont plus. Ont trouvé bon de partir. Ils sont partis. Ils ont laissé l'école. Et le premier directeur noir après le départ des prêtres, ce fut M. Milambo Matala. Milambo Matala, il était un ingénieur électricien, un ingénieur civil électricien, celui qui avait dirigé cette école. Donc le cycle court et le cycle long, ici à l'école. Il n'y avait que des garçons, pas maintenant. Il n'y avait que des garçons, maintenant vous avez aussi des filles. Il n'y avait que des garçons. Ces sections ont continué jusqu'à ce qu'il y a eu un départ des prêtres, et après encore un départ sur les ODV, donc l'école était en train de dégringoler, il y a eu, ça continuait en un ordre décroissant, et jusqu'à aujourd'hui. Cap vers l'internat des garçons. Venez, venez. La sixième année, il se prépare pour le sixième d'état. Hein? Là, ce ne sont que les élèves, tous ici, sont des élèves de la sixième année. Les élèves sont répartis selon leur niveau. Les finalistes campent dans leur coin et la préparation des examens d'État est en cours. Bien que pour l'instant, c'est le loisir. Bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe bien la préparation? Oui, ça va quand même. Ça va quand même? Oui. Ça veut dire? Ça veut dire, ça ne peut pas quand même. Ça évolue quand même. Ça évolue bien? Ça va bien parce qu'ils ont fini de faire même un examen de test, hein. Ils viennent de terminer l'examen d'état, test, que l'enseignement Gécamine fait passer. C'est pour ça qu'ils ont un peu de répit là-bas, ils jouent au jeu, tout ça, ils se reposent. Et sinon, les résultats étaient bons pour non, on est en train de corriger donc, en ce moment. On est en train de corriger. Ils viennent de terminer cette session-là. C'est une session préparatoire. Hein. Chaque année, on fait passer comme ça par l'enseignement Gécamine pour essayer de tester un peu les enfants avant de les enlever directement dans la session ordinaire. C'est ce qu'ils viennent de terminer, c'est pour ça qu'ils sont un peu libres là.
fait remarquer, nous sommes chaque élève par lit d'abord. Là, c'est des 1. Et puis, si vous avez visité les salles d'études, chacun a un bureau. Oui, un bureau. Chacun a un bureau, donc nous sommes gâtés. Les internes ou des classes inférieures se mettent ici. Un dortoir très vaste, des couvertures en mosaïque. Un élève par lit. Les sacs n'ont nulle part où les placer et le cadre n'attire plus. Il est sans éclat. Ici, il y a 170 élèves dans ce dortoir. 170. On peut faire facilement 480 élèves. Les lits appartiennent à l'école, les matelas appartiennent à l'école, mais les couvertures, ce sont les parents qui fournissent à leurs enfants. C'est ce qui crée cette diversité que vous voyez là-bas. Hein. Même les petits, ils sont toujours un élève, un lit. Autre surprise, les latrines. Il n'est pas facile d'y passer plus d'une minute. Mais les élèves y passent toute une vie. C'est juste aux côtés des dortoirs. Nous avons une difficulté très importante au niveau du lavoir, parce que le lavoir n'est plus ravitaillé en eau. Nous avions même à son temps décidé, en ce qu'on puisse fermer ce lavoir, que les enfants commencent à descendre. Mais comme nous avons des petits, les enfants de petit âge, il est toujours difficile, on peut l'utiliser pour les petits besoins et tout ça. Mais comme nous ne passons plus par... notre citerne d'eau, pour que par différence de potentiel qu'on puisse ravitailler l'étage, l'eau maintenant vient à ras-de-sol ici, par robinet là-bas à ras-de-sol, ce sont les lots qui viennent directement du pompage. Donc le lavoir ici n'a plus d'eau. Donc ça, le problème que nous avons, c'est avec des seaux, donc on fait des murs. Et le directeur de l'institut arrive. C'est avec lui que nous allons visiter l'internat des filles en passant par la salle des professeurs. Une salle de professeurs. Une des salles, hein, parce que tu verras une autre salle de l'autre côté. Les filles sont encadrées par la sœur Yolande. De l'autre côté, c'est pour les grandes, hein, 4e, 5e, 6e. Mmh. Ici, c'est uniquement pour la 3e. Regarde ma soeur, vous voulez. Ok. Nous allons te primer, ma soeur. Nous allons te primer, ma soeur. Et ma soeur, c'est quelle, ça? Salle de gym. Salle de gym. Le président national du karaté. Oui. Qu'est-ce qu'il a? C'est ici où s'est entraîné. Il a commencé son karaté ici. Il y avait un tatami ici. Le judo, le karaté se faisait ici. Monsieur Kauta, Maître Kit, tout ça. On commençait par ici. Maintenant, ce sont des salles qu'on ne sait plus utiliser. On ne sait plus les utiliser. On ne sait pas avoir des podiums, on ne sait pas avoir des tatamis, tout ça. Anne-Marie Mukunga est élève à Mutoshi. Elle vient de Kipushi, à près de 330 km de Kolwezi. L'internat prend combien de personnes? Ah, nous sommes à 62. Toi, tu viens d'où? Je suis de Kipushi. De Kipushi à Kolwezi? Oui, je suis venue ici pour raison d'études.
J'ai aimé faire la chimie industrielle, c'est pour cela que je suis ici. Et comment ça se passe? Ça va. Ça va? Oui. Les filles en chimie industrielle, ça te va très bien, selon toi? Ça va, j'aime bien la chimie. Et je trouve que c'est mieux pour les filles. Ah oui. Alors, tu comptes devenir qui? Je compte un jour devenir ingénieur chimiste. Bon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore? À l'école, à l'internat ou... À l'internat et à l'école. Bon, l'internat, il n'y a pas tellement trop de difficultés. Sauf seulement ces derniers temps, il y a un peu un problème d'eau. Souvent, on sort plus de l'eau dans des bidons, qui sont de l'eau là qu'on distribue, qu'on lessive avec, on se lave, on fait tout et puis on attend le soir lorsque ça va couler. La visite se poursuit avec M. Mwamba, préfet de l'ITM. Quelles sont les salles d'études pour les filles? Nous avons des classes de 35 personnes. Et parfois, il y a pléthore? Nous n'avons pas de pléthore parce que nous avons des exigences du côté laboratoire et du côté atelier. Donc, nos effectifs sont à désigner à partir des labos. Parce que vous ne pouvez pas avoir une classe qui dépasse les 35, vous ne saurez pas comment mettre ces enfants dans les ateliers et les laboratoires. La capacité de 500 personnes au moins. Hein, 500 personnes. Et vous l'utilisez à quel point? Bon, c'est là où nous faisons passer nos examens. Faisant les examens de premier semestre, deuxième semestre, on le fait passer là. Et les gens de l'État, aussi quand ils organisent les sessions examen d'État, ils viennent ici. Donc c'est un centre, quoi. Hein. Quand on parle de Colwezi 2, c'est à Mutoshi. Ici, c'est la salle de fête. On peut y faire le théâtre, y suivre une conférence et toutes les autres activités culturelles. Ok. Vous avez là, vous allez voir la scène. Hein? C'est cet endroit où nous nous réunissons chaque lundi avec les élèves à partir des 7h10 pour leur communiquer tout ce qu'il y a à leur dire pour toute la semaine. Nous l'utilisons aussi pour la proclamation à la fin de l'année. Hein? Vous voyez, il y a les gradins, c'est là où se mettent les élèves. Et là où ils se mettent, c'est là où se mettent les autorités. Un esprit sain dans un corps sain. Mutoshi est parmi les rares écoles qui privilégient le sport pour ses élèves. Les stades ne sont pas à compter ici. Si j'ai tenu à exhiber l'équipe de foot, c'est parce que c'est celle qui est pratiquement au top pour le moment. C'est la meilleure, ou qui est celle qui est classée première aux interscolaires 2011. Du moins pour les écoles, j'ai quand même, parce que la compétition continue. Nous sommes les premiers pour le moment. Il y a des élèves qui sont partis d'ici, qui sont à l'entente de football de Colwezi, dans les équipes, les grandes équipes, Manika, Inga, Simba, les élèves sont passés par là. Et Ntoka. Je connais des élèves qui sont partis d'ici, qui sont dans ces équipes-là, qui jouent très bien. Moi qui vous parle ici, j'ai étudié à Mutoshi, j'ai travaillé à Mutoshi comme quelqu'un de la maintenance, j'ai travaillé à Mutoshi comme quelqu'un, un assistant dans le corps professoral. Je suis aujourd'hui un éducateur surveillant, c'est-à-dire depuis 1969, je suis ici à Mutoshi.
Je veux dire qu'il y a 12 terrains de foot ici à Motoshi. 12 terrains de foot, 10 terrains de basket, 2 terrains de handball, 6 terrains de volleyball. C'est fut aussi une pépinière sportive. Les grands sportifs, j'ai connu le temps de Mamouloulou, Kaboudia, les Jeux Salésiens, vous allez passer chez les deux, les voir. Les côtes de Motoshi avaient 2 tracteurs juste pour tondre les terrains. Aujourd'hui, Motoshi n'a que 10 faux, 15 faux, 20 faux, 20 coupe-coupe, je parle en termes de coupe-coupe, 30 coupe-coupe pour tondre. Je ne vais pas ranger cette école avec 30 coupe-coupe pour faire les 16 terrains. Et les terrains à dimension internationale, ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc maintenant, nous avons fait le mieux avec les grands directeurs que nous avons maintenant, qui se débrouillent, qui ont fait quand même, tant soit peu, ils ont même fourni quelque chose. Nous avons 3 terrains qu'on peut utiliser aujourd'hui sur les 13. Nous allons visiter le stade Don Bosco. Moi, j'ai connu Kidiaba, Kasongo, Kabangu. À peine arrivé au Tout-Puissant Mazembe, l'année où ils arrivaient, ils avaient séjourné ici pendant les vacances de Pâques pour le préparatif des matchs provinciaux, ils avaient joué ici. Et c'est ce jour-là qu'ils sont passés par ici. Je les ai vus. Aujourd'hui, c'est devenu des grands joueurs, vous voyez. Ils se sont entraînés ici. Et c'est un terrain olympique avec piste d'athlétisme. Tout autour du stade se trouve une longue piste d'obstacles. Mais à présent, la brousse a gagné du terrain. Quand on était en 1971-72, le parcours d'obstacles ici était utilisé. Vous avez des sauts en hauteur, il y a là où il y a de l'eau. Vous voyez, il y en a beaucoup. Donc vous allez comme ça, vous contournez et vous rentrez. 5 tours seulement, vous êtes fatigué. Il y a là où il y a un trou, on met des épines dedans. L'enfant doit sauter, il y a là où on met l'eau. Là où il est, il y a là où on met des troncs d'arbres, il faut marcher là-dessus. Vous voyez, d'ici, vous allez jusqu'au niveau des eucalyptus là-bas. Vous contournez encore, à chaque obstacle, sa qualité et ses pièges. Quand un enfant termine un tour seulement, il est très fatigué. Très, très fatigué. Et quand il en fait 2, on peut même former des militaires, même des commandos ici. C'est pourquoi les enfants de Motoshi qui terminaient ici, c'était des gens qui avaient un corps sain, hein. L'enfant, il vient très vite là-bas. Il monte d'abord ici, après, il va sur l'autre. Il monte en deuxième position ici. Et maintenant, il doit sauter d'ici, là par terre. Hop ! Et je tombe. Ce n'est plus comme ça, parce qu'il ne fallait pas tomber. Il fallait se mettre debout. Maintenant, je n'arrive plus. Et continuer le parcours. Je saute et je tombe. Ah ouais. Vous voyez que j'ai pris de l'âge. Et les jeunes le faisaient très bien. Ce fut une puissance éducationnelle. Motoshi a laissé ses empreintes. Une dame qui nous voit filmer vient placer un mot. Cette école a sorti des ministres, elle a sorti des personnes les plus importantes qui sont aujourd'hui en train d'être utilisées à travers le monde. Il y a des ingénieurs. Aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui sont en train de s'implanter et on cherche des ingénieurs ailleurs, aux États-Unis, au Chili et même dans d'autres pays d'Europe, on les cherche très loin alors que nous avons des ingénieurs ici, les enfants du Katanga, les enfants congolais qui sont en train d'étudier et terminent seulement ici, mais sans trouver du boulot. Seulement, on va chercher les gens de loin pour venir nous aider. Qu'on réhabilite carrément cette école comme elle était avant. Et l'internat était un très, très bon internat. Il y avait des enfants qui quittaient ici en bonne santé. Aujourd'hui, pour manger, il faut que les parents interviennent avec de l'argent de leur poche. La Jekamine, où est-elle passée? Si nous disons qu'aujourd'hui, que la Jekamine est à terre, pourquoi ceux qui travaillent au-dedans même de la Jekamine se retrouvent normalement? Est-ce que la Jekamine manque de l'argent pour acheter les engins pour bien travailler alors que c'est une société de l'État? Aujourd'hui, ceux qui viennent travailler en sous-traitance à la Jekamine, ils sont bien payés. Un locataire dans ta maison, il est mieux traité que toi. Moi, je crois bien que c'est pas bon. Qu'on arrange seulement ça. C'est le souhait de tout un peuple. Voir Motoshi refaire surface et reprendre sa place dans l'éducation technique. Des jeunes enfants du Colosie
et de partout en République démocratique du Congo. Connaissance, performance, excellence. Et cela est représenté sur notre logo. D'abord la croisette rouge, ça c'est le cuivre, c'est une école Gécamines. Et puis nous avons la roue dentée de la mécanique, ça c'est la section mécanique. Nous avons l'échelle, c'est l'échelle des électriciens. Nous avons le bocal des chimistes. Nous avons la diode là-bas, ça c'est pour les électroniciens. La connaissance qui est représentée par les options techniques. La performance, c'est une échelle de l'ascension. Et l'étoile jaune là-bas, c'est ça l'excellence de cette école. Parce qu'elle a produit l'excellence avec tous ces cadres qui sont partis d'ici.